Alors, le bébé vient de naître et donc on va le poser sur sa mère en peau à peau. Le peau à peau, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre le bébé sur sa mère qui est torse nu, c'est-à-dire pas de soutien-gorge, et la bande qui tenait les capteurs, on va donc la couper. Le bébé, on le pose directement sur sa mère et donc on va le mettre en hamac, c'est-à-dire qu'il faut que le visage du bébé soit orienté vers le visage de la mère. Il faut qu'on puisse se regarder. Il faut que les deux bras et les deux jambes soient du même côté pour des raisons de sécurité. Donc le bébé, il est là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il va avoir bien chaud. Une femme qui vient d'accoucher, elle a fait du sport, c'est comme un marathonien, et donc elle est bien chaude, elle va réchauffer son bébé. On sait que si le bébé a froid, on sait que la mère va augmenter sa température corporelle de 1 degré, ce qui est totalement extraordinaire. On n'a pas encore d'explication à ce phénomène qui est merveilleux. On a fait l'étude sur les papas ne sont pas capables d'augmenter leur température. Donc on le met là pour la température. On le met là également pour les microbes. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, on sait qu'il est stérile. Il n'a aucun microbe sur lui, à l'intérieur de lui. Et quand il sort, il doit avoir des microbes. On sait qu'on a plus de microbes dans notre corps et sur notre corps au total que de cellules humaines. Il faut comprendre que les microbes sont nos amis. On ne peut pas vivre sans eux. Et donc, il est impératif que le bébé ait des gentils microbes. Donc là, en peau à peau, sur sa mère, en touchant sa mère, les microbes vont s'installer sur la peau du bébé, dans la bouche du bébé, ce qui va être extrêmement favorable pour lui. Ensuite, on le met en peau à peau pour le rassurer. Le bébé, il va entendre le cœur de sa maman, il va entendre la respiration de sa mère, la voix de sa mère, ça va le rassurer. Et donc, s'il est rassuré, il consomme moins de sucre et il risque moins l'hypoglycémie. Donc, le bébé est en peau à peau. La quatrième raison du peau à peau, ça permet aux parents, au père et à la mère de regarder les yeux du bébé. Et on sait que ce regard, il est, on appelle ça le proto-regard, il est parentalisant. C'est-à-dire que le fait de regarder dans les yeux un autre être humain et surtout son bébé, ça va permettre à ce que un phénomène se crée d'attachement du bébé vers la mère et la mère, elle, va se mettre à prendre soin de ce bébé si particulier pour elle. Et donc le pot à pot, ça ne coûte rien à personne et donc il faut le privilégier au maximum.